Ah, formidable, formidable vidéo. En plus avec Yoshi, re les gens. Re. Et bonsoir Rodin, bienvenue. Oh GG. GG à toi, j'ai vu un tweet de Nintendo. J'ai vu que c'est je sais plus manger qui a gagné, je crois. Bref. GG à toi. Oui, et les 24 monnaies spéciales, et tu sais à quoi ça sert? Alors, ça sert à quoi du coup? Parce que je n'ai pas encore non, le fin mot de tout ça. Ah, peut-être que nous aurons la visite de Mizu aussi dans la soirée. Oui. Oui. Bon, on va peut-être continuer un petit peu le en ligne. Ah, quand c'est en 600 kbps, c'est craqué quand même. Hein. En 600 kbps, c'est violemment craqué l'image. Hein. Évidemment, c'est du 15 fps, donc c'est pas très. Et là, dès qu'on passe en 300, c'est sale. Et là d'un coup, c'est moins propre. Bref. Juste 2 secondes. Parce que je vérifie un truc, mais. Oui, non. Je ne dis rien. Bref. Ajouter des emplacements à ton équipement ou modifier des bonus dessus. D'accord. Très bien. Alors moi, je le saurai si un jour j'ai Splatine. Jamais fait personnaliser, tiens. Qu'est-ce qui se passe si je mets champignons, carte? Mais je suis tout seul. Mais je suis tout seul. Mais c'est oui. C'est magnifique, c'est vraiment je suis waouh. Bref, allons-y. Alors, est-ce que je garde Yoshi ou on passe sur un autre perso, par exemple un petit Donkey Kong? À l'ancienne. C'est une question que je me pose. Remomiji. Ah bah oui, j'imagine, ça doit être cool de pouvoir modifier son petit équipement. J'imagine fort bien. Comme dans Mario Kart, pouvoir trifouiller entre les différentes cartes, les différents trous, etc. Donc oui, soit un petit Yoshi, mais alors, à la limite, peut-être un Intrépide serait mieux. Ou en tout cas une carte de cet acabit. J'aime bien le rétro parce que. Oui, voilà, ça me rappelle les bonnes vieilles heures sur Mario Kart 64, quoi. Donc le rétro, c'est craqué. Avec Donkey Kong, ça peut le faire. Hein. Donkey Kong, ça peut complètement le faire. Marie, mais le problème de Marie, c'est qu'elle est très très légère. Et que là, pour le coup, ça a posé problème en aile, quoique, allez, je tente Marie. Allez, soyons fous. Par contre, là, évidemment, on va sortir l'intrépide parce qu'il faut de la vitesse. Là, il faut absolument, vous voyez, un vitesse, on n'est pas ouf. On n'est pas ouf godin. Par contre, on a de l'accélération. On est très très léger. Quoique, est-ce que je pourrais pas avoir mieux? Qu'est-ce qui serait encore plus stylé que ça? Allez, une intrépide, tant pis. L'intrépide, j'ai pas le temps, hop. Circuit Mario. À l'arrache, c'est pas grave. Oui, il y a vraiment Marie, hein.
Marie, le perso de un des persos d'Animal Crossing. Qui est choupinouné, il faut avouer. Bon, alors je sais pas si je vais le garder longtemps. Hein, si je vais la garder longtemps, mais un petit peu. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais, ouais. Et attendez. Il est revenu, Papy Hitler, alors que le jeu a bugué. Hein. Je crois que le jeu a officiellement bugué. Le jeu est mort, décédé. Eh non. Marie existe bien. Alors, sur quoi? Oh là là, c'est quoi ce lobby? 798 points, 1000 points, 6500 points. C'est quoi? C'est... Le jeu, il veut faire une blague? C'est chaud, hein? C'est chaud du slip. Mais du coup, on va peut-être faire quelque chose avec Marie. On va voir, hein. Marie qui est donc un perso très léger, mais qui du coup va être encore plus maniable a priori, même en ayant pris un kart comment dirais-je, plus rapide que le kart rétro, il va probablement être encore plus maniable que Yoshi. Et le problème, c'est qu'il y a des fois, on prend l'aspiration et on veut pas. Voilà, l'aspiration c'est très bien, sauf quand c'est dans des virages comme ça, et là je fais de la merde, je me remets pas sur la route, je suis 11e, je le vis bien. Ah ben non, 12e. Bah oui. Tant qu'à faire, autant se mettre en très bonne position, c'est encore mieux. Hein. Ah oui, ah oh bah oui, là par contre, je dis pas non. Que t'es comme un petit sale et je me fais pousser, mais c'est affreux, hein. C'est affreux de jouer un perso léger. Je sais pas comment les gens font, hein, mais on peut pas tenir en place, quoi. On se fait tellement bouger. D'ailleurs, je trouve ça assez étrange que les personnages. J'ai toujours trouvé ça étrange en fait que les personnages lourds soient aussi les plus rapides. Ils ont un peu tout en fait. C'est ça qui est peut-être problématique. Alors j'ai trop attendu pour changer d'objet. Ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Mais oui, je vois pas pourquoi les légers seraient pas les plus rapides en fait. Alors, certes plus rapides, mais qui se font éjecter très facilement, et les lourds qui auraient pas une vitesse de pointe ouf, mais qui par contre pourraient bouger tout le monde. Je trouve que ça serait quand même fichtrement plus équilibré. Bien que là, j'arrive à me hisser à la troisième place difficilement, certes, mais tout de même. Alors que j'ai déjà une rouge qui est partie dans le vent. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Quoique en fait finalement je l'aurais perdu, donc bon. Un vomi point rendu. Je prends les pièces, qu'est-ce qu'il y a? Boomerang, qu'est-ce que ça peut me foutre le boomerang? Ah bah, finalement deuxième, hein? Ah si si, les lourds c'est complètement les plus rapides. Suffit d'aller voir dans vitesse Bowser, Wario, le mi-lourd et tout, ils ont la pointe de vitesse la plus grande. Ah oui, évidemment les lourds ont une accélération merdique, mais c'est en fait c'est pas si grave que ça, parce qu'on peut prendre une telle avance avec les lourds, si, et c'est assez fréquent en fait. On peut prendre une telle avance. Que même si on se fait toucher, on a le temps de repartir et les autres derrière, ils nous ont pas rattrapés, quoi. Ah non, j'ai pas dit Nintendo. J'ai dit Nintendogs? Pourquoi le jeu il bug quand on a sélectionné le circuit? Ouais. Non, j'ai dit Animal, j'ai dit Nintendogs. Non mais les stats elles sont claires. Hein. Il y a vitesse, accélération, poids, maniabilité et adhérence. En sachant qu'il y a des stats cachées aussi.
qui sont pas dites clairement, mais faut savoir par exemple que les personnages ne sont pas égaux par exemple sur les mini turbos. Voilà, et je me fais pousser par tout ce qui bouge. Hein. C'est, je peux avoir l'accélération la plus craquée du monde, ça sert à rien, je me fais bouger par tout ce qui passe à côté de moi. Donc voilà, c'est pas super. Oui, donc il y a certaines stats qui sont cachées. Sont, ceci dit, bien présente. Il y a aussi par exemple la vitesse dans l'eau, la vitesse en ayant le glide, c'est-à-dire en planant. Voilà, il y a quelques stats. Et je suis premier et j'utilise mes rouges. What the fuck? Mais les lourds vont carrément plus vite que tous les autres persos du jeu. Hein. Il y a juste zéro embrouille. Quand vous regardez. Les matchs de Mario Kart à haut niveau, ils ont tous Morton ou le Mii. Il y a juste zéro embrouille sur ce point-là. Morton, le Mii et en général le Kart doré parce qu'il est, craqué niveau vitesse lui aussi. Les roulisses et ben vous avez une vitesse de pointe qui est craquée, ce qui fait que quand vous prenez le large, vous êtes virtuellement irrattrapable. Ça, c'est cadeau. Après, l'avantage des légers, c'est évidemment leur maniabilité. C'est là où, où ils ont vraiment, je trouve, hein, le gros avantage, parce que l'accélération, faut quand même pas... je veux dire, bon... C'est bien d'avoir une bonne accélération, mais quand votre vitesse est plafonnée à un truc pour AV, ça sert pas à grand-chose. Voilà, je voulais juste placer la bombe derrière, et après... On balance la max, mais j'aurais bien aimé balancer la max devant et je crois que comme un sac j'ai continué à appuyer. Sur l'arrière, alors que j'aurais pu foncer tout droit comme un malpropre. Il est où? Il est. Oh mais bah, c'est Marie! C'est ma copine, c'est ma collègue. Ah oui, d'accord. J'ai fait ça pour prendre un nouvel objet et j'ai pas pris de nouvel objet. GG, bravo le veau. Ah bah voilà! Ah ouais, deux Marie devant, dis donc. C'est pété. J'ai même pas le souvenir d'avoir Nintendo, mais bon, bref. Ok, Plasmania, pas de soucis. Merci d'avoir suivi jusque-là. Peut-être à tout à l'heure. Des bisous. Mais c'est ça, hein. Vitesse de pointe pour les lourds, c'est le plus craqué. Et l'accélération. Enfin, c'est ça les stats, hein. Vitesse, accélération. Oh, bah oui, Animal Crossing, bah évidemment. Évidemment, avec Marie. Bien que ce soit peut-être pas la map la plus agréable pour elle, mais on va tenter. Hein. On va complètement tenter. Bon, ceci dit, je fais quand même quelques bonnes places avec Marie, comme quoi. Alors que le mec à 6500 points s'est barré. Eh bien... Bon vent, mon cher ami, on va jouer sur Animal Crossing. Avec Marie, pendant l'hiver. Et là, la deuxième Marie et même mon troisième, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le fuck. Alors, est-ce que... Ouais, c'était pas extraordinaire. Hein. Franchement. Allez, filez. Oh, mais non, mais je voulais l'avoir, la super accélération craquée de la vie. Oh, mais non. J'ai sauté beaucoup trop tôt, bien entre fichtres. Ah, oh, mais merci, Mario. Merci de m'enlever cet obstacle de la route, si j'avais su. Ouah, la Marie. La Marie vénère avec sa carapace verte. Complètement vénère, la Marie. Wow. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait, et ça c'est beau. Oh là là là, j'ai pris l'accélération, je crois. Je
crois que j'ai pris l'accélération, je crois que c'est ça qui m'a mis dans le rouge. Ce virage, je ne l'ai pas du tout compris. Hein. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh là là, et je passe pile au moment. C'est dommage, hein. Je vais pas pouvoir malheureusement avoir d'autres objets à part là. Il faut vraiment que j'ai un objet, merci. J'aurais pu avoir mieux. Par contre, les poulpes, ça, c'est marrant 2 secondes en fait. Il y a un moment, faut arrêter. Il y a un moment, messieurs, faut arrêter. Faut savoir s'arrêter. Le snipe de ta vie. Le snipe de ta vie. Oh, t'es pas sérieux le jeu. J'ai dû sniper le lag. C'est pas possible autrement. Ah, oh, c'est dommage. C'est dommage. Hein. Mais bon. Les maris qui dominent. Qui dominent complètement la course. C'est beau. Hein. C'est beau un monde qui joue. Et du coup, on avance au point. Ah, c'est beau. Ah, les goûts piranha. Les goûts piranha, je commence à m'y faire. Hein. On fera peut-être d'ailleurs un peu de time trial à un moment ou à un autre. Bonsoir, Kenny. Bonsoir, bienvenue. On fera ouais, peut-être un petit peu de time trial, histoire d'apprendre 2-3 courses encore que j'ai pas... que je maîtrise, pardon. Peut-être pas tout à fait. Et la route Ruban. ...4007, 4008... Et après, il y a nous. Voilà, clairement, l'avantage d'un perso comme Marie, très léger, c'est d'avoir une maniabilité craquée, de pouvoir vraiment adapter dans tous les virages, adapter sa trajectoire à la frame. Par contre, je trouve ça petit joueur. Je vous le dis comme je le pense, je trouve ça petit joueur. Ça, par contre, ça va permettre de faire un petit peu le ménage ou pas, parce qu'il y avait une bombe. Voilà, et on se fait pousser ça par contre. Ça, je supporte pas. Me faire pousser dans tous les sens, je... Ah ! Qui m'insupporte le plus, je crois, dans le jeu. Putain, mais je me fais agresser par 25 000 trucs volant dans ma maison. Mais foutez-moi juste la paix. Et toi aussi, casse-toi. Marin qui est en train de spammer des blablabla blablabla. Oh, je crois que j'ai bien fait de pas avoir mieux parce que l'autre avec sa plante piranha de mes deux. Les deux pièces, allez, j'accepte. J'ai eu quand même quelques trucs bien pétés et là il faut que j'aille me choper le. Qu'est-ce qu'il m'a eu? Le mec il est passé, il avait rien. J'ai rien compris à la vie. Voilà, et du coup je me retrouve direct 6ème. Voilà, grâce à la grosse vitesse de pointe. Là, le reste, le tournant d'une vie. Ah oui, attendez. Oh le vol. Oh le vol de la 4ème place. Oui.
J'avoue, avec Marie, il y a de la bonne place. Après, peut-être aussi, vu le... Enfin, je sais, ça dépend des lobbies aussi, c'est toujours pareil, hein. Ouais, mec au Giro doré, bon là, bon, il a 775 points. J'ai envie de dire, il a beaucoup perdu, hein, quand même, parce que pour arriver à 775 points, quand même, hein. Quand même. Mais on a vu, on a déjà croisé par contre des. On a déjà croisé, pardon, des joueurs avec le gyro doré, enfin l'icône de gyroscope doré avec beaucoup de points. Des mecs craqués au gyro, ça existe. Hein. Ils sont rares, mais ça existe. Après, moi, bon, c'est une question d'habitude. Hein. C'est complètement une question d'habitude. C'est rigolo le gyro, hein. Moi, je dois avouer, pour rigoler, c'est pas injouable du tout. Je pense même qu'ils ont dû améliorer un petit peu le truc entre Mario Kart Wii et Mario Kart 8. Oui, ça retombe sur Animal Crossing, mais cette fois c'est le printemps, si je dis pas de bêtises. Je suis jamais à différencier printemps et été. Je me trompe très très souvent. Par contre, alors je pense que je découvre un truc aussi. Je crois que j'ai l'impression que les persos légers prennent beaucoup plus facilement l'aspiration et beaucoup plus vite, surtout. Non, c'est l'été, ça, je crois. Hein. Quand il y a c'est pas c'est jumper, enfin, c'est le. Oh, les petits tremplins, voilà, je cherchais le mot. Quand il y a les petits tremplins là, je crois que c'est l'été. Hein. Pardon. Pardon, mon cher Mario. Un cadeau. Et je l'ai pas eu. J'y vois rien, j'y vois rien, j'y vois rien. Ok, c'est bon. Je vais pas le prendre. Il a freiné, je crois, lui aussi, hein. Il me semble avoir complètement vu freiner. Ou alors il se l'est prise. Ce serait pas un problème, mais du coup. Et pourquoi l'objet ne le donne pas? L'objet, merci pour avoir deux pièces, ça me fait super plaisir. Une erreur de communication est survenue, magnifique. Ah, je l'ai senti à l'objet, hein. Je l'ai complètement senti à l'objet qu'il y avait une couille dans le potage. Eh ben écoutez, on est reparti. On est reparti. C'est dommage, c'est dommage. Allez, on va garder Marie encore une fois. Ouh, elle est contente, elle est choupinette. Par contre, donc le Magikarp, c'est rapide aussi. Ça lui va pas. L'intrépide est sympathique, mais ça va peut-être pas avec elle. Pulsar, c'est peut-être déjà plus son style, encore que. On a toujours le Maxellaire, super style, ou le Proto 8. Oh, bah, les V1 Proto 8. Et pourquoi pas? Alors le Giro doré. Bonsoir Dark Snake Gothic, bienvenue. Le Giro doré indique simplement que la personne a joué tous ses matchs en online avec le Giro. C'est-à-dire pas une seule course, ou alors c'est peut-être un pourcentage très faible. Mais a priori, il a toujours joué online avec le Giro. Quand vous avez un Giro blanc, l'icône du volant Nintendo, le Wii Wheel, quand il est blanc, ça veut dire que la personne est en train de jouer au Giro, mais qu'à côté elle a beaucoup joué, ou en tout cas elle a fait d'autres courses avec une manette ou la mablette ou bref, pas au Giro, voilà. Donc finalement, le Giro doré, ça indique quand même que vous posez vos attributs sur la table, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vous en avez et vous le montrez.
Mais c'est pas si injouable que ça. Hein. Je pense vraiment que c'est une question d'habitude, le Giro. Mais quand même respect. Parce que c'est vrai que la manette, c'est quand même très agréable et c'est peut-être un peu la solution de facilité, on va dire. Bon, alors le circuit Yoshi, pas avec Yoshi, c'est peut-être une première, je ne sais pas. Quand vous voyez avec Marie, c'est quand même très agréable de prendre les virages, on les prend un petit peu comme on veut. Je vais aller récupérer un max de pièces. Ouais, bah ouais, casse-toi. Voilà. Oh le petit con! Oh le con! Le premier n'était pas passé, le second est passé malheureusement crème. Malheureusement pour nous. Ah voilà! Et pourtant j'avais essayé de l'éviter. Hein. Pourtant je l'ai vu venir. Hein. C'est dommage de ne pas avoir d'objet, mais bon. Faut quand même avouer que le. Et merde, j'ai essayé de me décaler, mais malheureusement beaucoup trop tard. Et je prends pas les pièces, ça me sert à rien du coup ce que j'ai fait. J'ai pris complètement à l'arrache, pas du tout à la corde. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas ça maintenant, après tout? Et là, j'ai l'autre objet. Et là, c'est beau. Derrière, ça a eu complètement une plante piranha. Du coup, je peux tenter la carapace rouge qui ne passe pas. Et pourquoi j'ai pas mis bordel de fion? Mais t'es pas sérieux? Mais c'est quoi ce bordel sans nom? Et j'essaie de reprendre l'intérieur et ça va pas. Et je suis 11e et je suis 12e. Et va te faire. Va te faire mettre. Ah bah oui, ah bah ça va vachement me servir, tiens. Ça va vachement me servir. Voilà, et là on sent qu'on a du mal. Et là on sent qu'on a du mal à remonter. Hein. Voilà, et d'ailleurs on remontera pas du tout. Même avec nos champignons, hein. Regardez, même avec les champignons, il n'y a rien à faire. Hein. Et voilà, et on va perdre 7 points. Parce qu'on s'est pris la max. Ah oui, à chaque champi doré, Marie, elle pète un câble. Hein. Mais de toute façon, tous les persos pètent un câble. Mais c'est vrai qu'elle particulièrement. Hein. Mais voilà. Voilà ce qui se passe. Oh oui, une petite descente givrée. Ça se passe comme ça chez Mac Gerbal. Ah, re mon cher Mizou. Veux-tu, mon cher Mizou, faire une petite partie? Oh, on a un craqué. Oh là là, on a un pro player. On a complètement un pro player. 70 000 points dans la besace. Un nom de clan, tout ça, non, ça, là, ça va, par contre, ça déconne zéro. Hein. Là, ça déconne zéro. Il est où? C'est lequel? Je sais pas lequel c'est, mais de toute façon, c'est pas compliqué. C'est celui qui va être en tête de course. Hein. Là, faut juste pas chercher les embrouilles. La première place, on l'aura jamais de la vie. C'est pas grave, hein, c'est beau. Voilà, des fois, de temps en temps, vous rencontrez des mecs complètement fumés de la vie. Ah, ça y est, ça commence à prendre l'avantage hein, avec Wario. Vous voyez, avec Wario, hein, y a pas d'embrouille. Hein. Ça teste même pas d'autres persos, c'est Wario direct. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu, mais je l'ai vu beaucoup trop tard. Et c'est ça qui m'a coûté cette connerie. On va prendre les pièces tranquillou.
Grand Dieu de grand Dieu. Et puis alors là, pour monter, bon, heureusement, on a une petite étoile. On va attendre un petit peu et on va essayer de voir si on peut pas arnaquer le jeu et dodge quelque chose. Oh, j'ai même envie de le tenter là. Et merde, j'ai loupé. Je l'ai complètement loupé. C'était plutôt qu'il fallait le prendre. Je le prends jamais ce cut et ben voilà. J'aurais peut-être pas dû. Et je prends pas les pièces. J'en ai tellement rien à foutre. Ah, ça commençait bien, mais là ça commence à se voir que c'est dur. Hein. Allez, pourquoi pas. Oh oui. Oh le dodge. Oh le dodge dégueulasse. Le dodge absolument dégueulasse de la vie. Et mais finalement on remonte, regardez, on remonte quasiment que dalle. Hein. On remonte quasiment que dalle. Hein. Allez, les trois champignons de l'espoir pour arnaquer Bowser. Voilà, bah, septième. Les données de contenu téléchargées sont erronées. Mais comment t'as fait? Moi, j'ai eu zéro souci avec, avec le téléchargement. T'as fait la mise à jour du jeu et tout? Enfin, j'imagine que oui, t'as bien dû être obligé de la faire. Bon bah c'est pas grave, hein. Attends, je vais peut-être lancer Mumble, du coup. Je vais lancer Mumble. Ouais, mais c'est étrange. Hein. Ah, bonsoir mon cher Mizou, je sais pas si t'as ton micro. Ouais, oui, je l'ai. Ah, tu as ton micro magnifique. Bonsoir, madame. Bienvenue. Ah ouais, non, c'est chelou, hein. Ah, mais du coup, je suis en train... Là, il m'a trouvé des données inutiles. Du coup, bah, la Wii les efface, donc j'attends. D'accord. J'attends, et puis après, bah, on me demandait d'effacer carrément les données de la console au niveau du jeu, ou je sais pas quoi, là, donc... Ah, ça, tu peux le faire, hein. Tu peux gérer donc, voilà, les données pour virer... Mais c'est ouais, chelou, mais hein. Je suis dedans, là, mais... Ouais. T'as acheté le truc directement dans le jeu ou en dehors? Non, en dehors. En dehors, ouais, je pense pas que ça change grand chose. Moi, j'ai acheté à l'intérieur du jeu, mais bon. Ça m'étonnerait qu'il y ait une. Qu'elle fasse une différence. Mais ouais, ouais j'ai eu zéro souci. Hein. C'est très étrange. Et pourtant, ça a rempli le disque dur à ras-bord. Hein. Là, sur le disque dur interne, il reste 10 mégas. Ah oui, quand même. Ah bah c'est une giga. Hein. C'est un peu le seul problème de la Wii blanche, c'est que... Bon, après un petit disque dur et c'est reparti, c'est ce que je ferais hein, évidemment. Moi. C'est ça. Donc c'est pas, bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Bah ouais. C'est con quoi. Allez, désolé Yoshi. Hein. Désolé, je vous aime beaucoup, mais là... là faut que je remonte. Là, ça se voit trop que je fais de la merde. Je suis juste fait défoncer au début, comme d'habitude. Oh, je me fais pousser par tout ce qui bouge. Hein. Il y a juste zéro embrouille. Ah bah voilà, allez, hop. La folie minarique est repartie. J'ai perdu mes clés de chez moi. Ah, c'est ballot. Comment t'as fait pour rentrer? Marie m'a donné un double sur ma fenêtre. Ah. C'est ballot, j'avoue. Je suis à moitié là parce que je cherche au cas où qu'elle soit chez la maison. C'est sûr. Allez, dernier tour en quatrième position, j'y crois à mort. J'y crois à mort. Le bullet bill que j'ai dodge, je sais pas comment. Un petit peu pas fait toi. Oh, j'ai failli avoir Mario. Je pensais qu'il allait se décaler en fait, non. Ouais, pas eu d'éclair. Pas eu d'éclair, je suis pas content. Oh non! Oh non, et en plus, je vais louper le cut.
C'est terrible, hein. T'as beau avoir des trucs qui te font aller plus vite, bah tu vas pas plus vite en fait. T'arrives pas à rattraper même pas Mario. Ouais, ça devient dur, hein. On est dans le mal, comme on dit. Oh bah tiens, une coupe à police. Pourquoi pas? Des petits virages serrés en enfilade. Ou bien tout honneur, évidemment. Non, ça met des plombes à effacer, hein. Toujours pas effacer. C'est chelou. Je suis choqué. Hein. Ah oui, au fait j'ai complètement loupé la promo de Street Fighter 4 du coup. J'ai complètement zappé, de toute façon. Ouais non mais bon, finalement, enfin, je pense que ça aurait servi à rien parce que quand même je me suis rendu compte d'un truc, dans 3 jours, il y a la bêta de Street Fighter 5 qui commence. Donc grosso modo, jeu est mort en fait quoi. Donc du coup ça sent Smash Bros. Et puis de toute façon ouais y a personne ni toi ni Oli aller le prendre. Toi t'as déjà Smash Bros. Puis bon. Évidemment. Je suis un mec de Smash Bros quoi. Bien que Street Fighter. Mais, à la limite voilà. Le 5 je dirais pas non. Si vraiment ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie là, je dirais pas non. Faut voir. Bon, peut-être pas à 60€, faut pas déconner non plus. Mais parce que du coup le modèle économique est sympa quoi. Pour une fois, on n'aura pas à payer 60, enfin ou 40€ tous les 2 ans ou tous les ans parce qu'ils ont décidé de faire une mise à jour du jeu. Et même le système de jeu a l'air sympathique, faut voir. Mais ouais. Ah oui, bonsoir Crackbull. Pardon, enfin re plutôt, puisque tu étais passé tout à l'heure en coup de vent. Je me fais dépasser par tout ce qui bouge. Hein. C'est violent. C'est violent de chez violent. Hop. Mais je prends les raccourcis et j'arrive pas à dépasser les mecs, c'est ouf. Qui s'excite à chaque fois que j'appuie sur le champignon doré. Et... Oh, le champignon de la vie, quoi. Le champignon d'espoir, c'est maintenant. Bah non. Bah non. Voilà, on s'est fait des... Ah mais merde, il reste un tour. Mais quel con. Ah le con, je croyais que c'était le dernier tour. Oh mais le sac. Il est plus dans le jeu, quoi. C'est terrible. Saloperie de sac à merde. Saloperie de sac à merde de Luigi. Et l'autre, mais il a 2 étoiles d'affilée. Et je finis dernier. Ah non, mais là, je trouve qu'on commence à sentir l'effet du personnage, en fait. C'est-à-dire qu'on commence à se prendre une ou deux, et on n'a pas de patate derrière. On n'a pas ce que même Yoshi a finalement, la petite pointe de vitesse qui permet de commencer à rattraper petit à petit, ou en tout cas de maintenir la distance avec les autres. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans un vortex de merdier, c'est-à-dire si on reste premier tout le long de la course, ça va. Dès qu'on commence à s'en prendre une ou deux, c'est la merde absolue, hein.
Et à la fin, on voyait, hein, face au Luigi, j'avais beau avoir des champignons, j'avais beau avoir des trucs. Je l'ai jamais dépassé de ma vie entière. Je me fais pousser, mais par tout ce qui bouge, mais t'es pas sérieux. Là, c'est moi qui ai fait le son. Et je suis 12e. Je suis 12e et je le vis bien. Le plus beau cut de toute la vie. Hein. Toute l'histoire. Oh là 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 là, non mais t'es pas sérieux. Je me fais pousser par le décor même. Oh là là là. Bon là je joue mal. Là je joue excessivement mal. Le jeu a même pitié de moi et me file l'objet qui joue à ta place. Tellement le jeu il se dit non mais lui quand même faut que je l'aide. Lui il faut que je l'aide. Mais là, le jeu, il avait vraiment pitié de moi. Hein. C'est, je vois pas d'autres explications, pardon. Hein. C'est les deux belettes billes coup sur coup, presque. C'était. Je me suis fait voler mon étoile. J'ai réussi ce tour de force de me faire voler mon étoile parce que j'ai voulu la jouer greedy. Allez, on finira quand même troisième. Replacemania, bienvenue. Re-bienvenue. Ouais, bon, on va voir quand on pourra jouer avec Mizu. Je changerai à ce moment-là. Pour l'instant, je garde Marie. Jusqu'au bout. Non, voilà, après, bon, suffit d'un petit peu de chance sur les objets et ça compense quand même. Et j'ai fait de la merde. J'ai grave fait de la merde. On n'a pas vu le royaume sorbet. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, il y a beaucoup de lignes droites. Oh, c'est pas grave. Faut savoir prendre des risques. Après, je dois avouer, pour revenir au truc de la Wii, du téléchargement et tout, je dois avouer que la première mise à jour de la console, quand je l'ai allumée pour la première fois et qu'il m'a dit de faire une mise à jour, elle m'a fait peur un peu, la mise à jour. Parce que pendant, je sais pas, bien 10 minutes, le truc, il avançait pas, en fait. Si t'avais la barre, elle était vide, et il se passait rien. Donc j'ai un peu... Je me suis demandé si la console m'avait pas fait un coup de pute ou un truc du genre, et puis finalement, ça s'est débloqué après, et puis... Tout allait bien. Bonsoir Toundra, bienvenue. Comment vas-tu? Quoi de neuf? On a toujours notre Mexicain craqué avec ses quasiment 70 000 points. Qui est juste devant moi en plus et qui joue Wario avec le... Oh, c'est peut-être pas le plus rapide des cartes, hein, mais... Ouais. Petit boost direct. Regardez-moi ça, je me fais violenter par tout ce qui bouge, quoi. Regardez-moi ça. Zéro patate. Je suis à fond, hein. J'ai le bouton appuyé à fond, hein. Je peux pas faire mieux. Là, par contre, ça va m'aider.
peut-être pas le chemin idéal, mais c'est pas grave. Je suis passé par là. Ah, je crois que la console a complètement fucké là, parce que ben, n'éteignez pas effacement, n'éteignez pas la console toujours. Du coup, c'est ce que je disais juste avant, mais c'était pas là. C'est que moi, la première mise à jour de la console m'a fait flipper parce que elle l'a pas bougé pendant 10 minutes avec le truc à zéro, enfin la barre de défilement qui bougeait pas. Et je me suis demandé si elle avait pas un petit souci quoi. Et en fait non. Finalement, elle s'est débloquée au bout d'un moment. Et... Attends, non, mais... Si, je voulais faire au moins quelques parties avec toi, là, mais tant pis. Bah ouais, non. Moi aussi. C'est la mémoire interne de la console, là. Ouais, qui est en train d'effacer des trucs, là, des données qui apparemment seraient pas utilisées. Ouais. Bon, je vais laisser tourner, je vais rappeler d'autres magasins pour savoir s'ils ont pas mes clés. Ah oui, vas-y, occupe-toi de tes clés, t'as raison. Allez, un bon objet. C'est juste le vortex infini de merde qui s'abat sur vous. C'est chaud, hein. C'est super chaud, hein. C'est ça. C'est quand j'ai le boost. C'est exactement ce qui se passait à la course précédente avec Luigi. C'est-à-dire quand j'ai le boost, je vais juste à peu près aussi vite que les autres. Et oui, apparemment, Mizu a perdu ses clés. Donc en fait, ce qu'il me faut, là vraiment, ce qu'il faut comme circuit, c'est des circuits avec peu d'espace d'expression pour la vitesse pure. Le circuit d'Irus, c'est pas bon. Parce que même un circuit comme ça, je vais probablement me faire avoir parce que il y a des passages où ça va à 300 heures. Et là, le super départ, vous allez voir. Déjà, il faut pas que je le loupe. Ah, je sais, je pense que c'est Marie qui a un petit peu oublié de mettre le moteur dans son kart, effectivement. Et là, vous allez voir. Voilà. Super départ, et ben voilà. C'est le mieux qu'elle puisse faire. Après, là, il faut user et abuser probablement des techniques du jeu que je maîtrise pas encore parfaitement. Du coup, on se retrouve à la merci d'à peu près tout ce que les autres ont. Je passe et je passe pourtant sur les objets, mais enfin les rubis, mais je ramasse rien. Vous remarquerez. Ah oui, ça va vachement le gêner là, celle-ci. Hein. Vraiment, je sens que ça va retourner la situation. Hein. Il doit vraiment se faire dessus, le pauvre. Hein. Avec ses 70 000 points et sa gérance absolue. Eh merde! Oh là, ça me frôle la nuit. Et je me fais dépasser en mode j'en ai rien à foutre. Mm-hmm.
Mais ouais, du coup, c'est fort dommage parce que ça ôte quand même certains personnages du online. Enfin, en tout cas, quand on veut faire vraiment quelque chose de bien online, il y a certains persos comme ça qui deviennent pas inutiles, mais qui ont beaucoup de mal à percer. Encore que je fais troisième. Encore finalement, je fais troisième, mais c'est tendu, quoi. C'est vraiment. Chaque course, il y a aucune assurance, alors que avec un Yoshi ou un plus lourd, on peut toujours plus ou moins assurer quelque chose, quoi. Ah oui, non mais complètement, mais là le Mexicain, encore que il met pas un tour au 12e, hein. Le mec craqué tout de même. Parce que quand même, j'ai mis quelques tours au 12e sur les parties avec Mizu. Mais oui, évidemment, mais là, c'est logique. Le mec, il a 70 000 points. Il a dosé le jeu de toute sa vie. De toute façon, ça doit être un mec. Vu le pseudo qui fait partie d'une équipe, qui doit donc doser à l'infini le jeu. Ah bon. Et puis tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas mon objectif non plus de. Voilà, moi je joue pour m'amuser. Bon, voilà. Si je veux dire, qu'ils finissent premier à chaque course, c'est pas grave. Bah non, pas avec la fibre, hein, parce que ça, enfin, ça changerait rien. J'ai un niveau moyen. C'est voilà. Donc ça changera pas, fibre ou pas. Oh, je passe premier. Oh, attention. Oh là, je l'ai grillé. Je l'ai complètement grillé sur le début. Alors, c'est le retournement de situation. Bon, ça y est, c'est bon. Ça y est, voilà, il est parti. Vous avez vu d'ailleurs le saut qu'il fait. Ça, c'est un truc que j'ai encore jamais compris comment on faisait. Mais c'est une technique officielle hein, qui permet de gagner moult temps sur ce saut-là. Et là, par contre, j'ai fait de la merde. Vraiment. Et du coup, le semblant de suspense qu'il y avait vient de s'envoler comme vient de fondre comme neige au soleil. Voilà, on a vibré, hein. On a complètement vibré, hein. Pendant un demi-tour, on y a cru. Oh là, sur un circuit comme ça, c'est tellement chaud d'éviter la bleue qui passe à 300 à l'heure. Et je me fais doubler par le Mario du coin. Mais t'es sérieux? Oh là 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 là. Et je l'ai eu, hein. Je l'ai eu le Mario. Je l'ai complètement eu. Ouah, le bug, le mini clip dans le coin du circuit. Oh, c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud ce que je fais. Et j'ai pas d'objet parce que j'ai voulu faire le cake et aller à fond les ballons alors que ça sert à rien. Et je me fais doubler. Ah bah oui, ça t'as pas anticipé mon gars. T'as pas anticipé mais t'es quand même là. Hein. Oh me fais pas chier par contre. Me fais complètement pas chier. Regardez, j'ai l'étoile, je le rattrape même pas. Le gars, il en a juste rien à foutre de ma vitesse. Deuxième, mon gars, deuxième! Ah, 70 000 points, je sais pas. Franchement, je sais pas. 70 000 points, ça me paraît tellement, tellement loin. En plus, à un moment, tu gagnes que dalle, quoi.
C'est-à-dire que vraiment, tu gagnes, tu as, quoique non, il gagne 17 points quand même. Hein. Il continue à gagner un max en étant premier. Hein. Je pensais qu'il gagnerait beaucoup, beaucoup moins. Mais ouais, je sais pas, oui. Moi, je crois qu'à 70 000 points, je suis plus sur le jeu depuis bien longtemps. Hein. Avec le champignon, je les double même pas, c'est vrai. C'est vrai. Non mais moi aussi, hein, quand je colle des mecs avec trois carapaces ou trois bananes, je touche pas. Hein. C'est fou. Le lac, ça va dans les deux sens. Hein. Ça c'est arrivé pas plus tard qu'il y a deux ou trois courses avec Marie. J'ai snipé quelqu'un à la verte, juste dans le dernier virage avant l'arrivée, ça lui a rien fait. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah oui. Tu sais comment on re-télécharge les... Les? La mise à jour là pour jeu? Mario Kart, le contenu téléchargeable. Bah je pense que théoriquement tu lances le jeu, il va te dire ah attends, t'as pas le jeu à jour. Hein? Non, il me dit rien ce connard. Sérieux? Il me dit rien. Ouais. Bah, lance le jeu, regarde quand même la version théoriquement, je crois que c'est version 4.1, je dis pas de bêtises. C'est marqué où ça? C'est quand tu lances le jeu sur l'écran principal. Je vais quitter le jeu. Infinisé. Ouais, mais j'ai la 4.1, mais je pense pas avoir le contenu téléchargé en fait de la. Ah, de la mise à jour? Enfin, ouais. Du DLC, pardon. Ah oui, je pensais que c'était la mise à jour qu'il n'y avait pas. Non, alors ça. Comment avoir le DLC? Oh oui, champion bon moment. J'aurais tendance à dire, lance le jeu et va voir par exemple sur la page des persos. Théoriquement, tu devrais avoir en bas les persos du DLC. Que si t'as pas téléchargé, tu devrais pas les avoir. Quoi. Ouais, bisous. Tu vas dessus et t'essaies d'en sélectionner. Hein. Normalement, il devrait te dire blabla, acheter machin. Sauf que je sais pas ce qui se passe si tu l'as déjà. Allons voir. Personne n'a mes clés, je sais pas où c'est que j'ai mis mes clés. J'espère qu'on te les a pas piquées, surtout. Ouais. Il y a une famille, en 2 mois, ils se sont fait cambrioler 2 fois. Une première fois, et puis l'autre fois, juste après avoir racheté tous leurs trucs grâce aux assurances. Pas mal. Pas mal. Bon, ouais. Après, il y a les mecs qui devaient surveiller, hein. Non gros fils de pute. Ah ben ça... Il y en a de partout. Mais je suis troisième. Pas sérieux. Oh bah vas-y, l'étoile en troisième, bah si tu veux. Voilà, comme ça on finit la course hyper tranquille. Allez Blaise, comme on dit. Ça fonctionne? Bon bah c'est bon, il est en train de me re-télécharger les trucs. Ah parfait. Bon alors le temps que ça re-télécharge, je vais encore reprendre une petite pause. Je vais abandonner Marie. Il y en a pour un moment, j'imagine. Oh, t'as une connexion de bien, toi. On va aller vite. Ça a pas mis trop de temps, hein. Moi, il y avait 2 gigas, je crois, à télécharger. C'est pas énorme, quoi. Comme. Bah, quand même. Gigas, quoi. Ouais, enfin. Je sais pas, moi. Moi, sur Steam, quand. Un truc à 10 gigas, je le télécharge en 2 heures, quoi. Un truc comme ça. Pardon. T'es en train de décéder, c'est Pardon. Ça? C'est ça que t'es en train de nous dire? Ouais, je pense que je suis un peu en train de décéder de mort petit à petit. Ah, le décès de mort, hein, c'est pas propre, hein, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Ah, ouais, salut Oli! Et? Ah non, pas lui. Ah non, pas lui. Le décès de mort, c'est ce qui fait le plus mal généralement. Ouais, ouais. Surtout quand c'est suivi de perte de vie. Exactement. Il n'y a aucun médicament contre ça. Ah non, et ça, il n'y a personne pour le dire. Il n'y a personne pour le dire. Je vais attendre.
Attendre. Ah, merci Crackbull, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que t'aies pensé à moi en retéléchargeant The Witcher. Et en entendant que ça télécharge, je vais donc continuer à chercher mes clés. Mais oui, mais vas-y. Mais Ah oui, d'accord, 7 minutes. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça, c'est legit. Non, mais oui, enfin, mon débit de téléchargement, il n'est pas dégueulasse du tout, hein. Mais ça, si j'avais le débit montant comme mon débit de téléchargement, mais 1080p, 60 images par seconde, easy gros, quoi. Ah, on t'a bridé, pauvre chou. Pauvre chou. Alors, si ce que je vois d'affiché en temps restant, ce sont des minutes, et j'en ai pour une demi-heure. 26 minutes. Ah ouais. Sérieux. Ah, mais ouais. C'est par Wi-Fi, c'est ça qui bride. À tous les coups, non. Ah oui, je suis par Wi-Fi, moi, effectivement. Ah. Oh, 80 mégasecondes. C'est terrible. C'est terrible. Je te plains, franchement. Là, tel que tu m'entends, je suis au maximum compatissant, quoi. Je peux pas faire mieux. Vraiment. Bon, allez, pendant qu'il cherche ses clés, que ça télécharge et que... Et que voilà, petite pause, à de suite les gens, des bisous.